Oh putain! Ok, on vient de finir chapitre 5. Pouh. Ah, il fait nouveau clair. C'est plus lisible. Alors, c'est quoi là? Ok, on peut faire. Enfin, peindre. C'est un grand mot, peindre. Non. Voilà. Bon, c'est une salle basique, mais c'est pour nous apprendre. Il y a combien de chapitres? Il y en a 7 ou 8, je crois. 173. Non, il y en a 7 ou 8, je crois. Pas plus. Alors, deux interrupteurs. Il est déjà dessus? Non. Faut passer la violette à travers la jaune. J'ai pas trop d'idées. Est-ce que la jaune elle peut se décaler, genre si je fais ça? Non, ça me paraît trop simple. Et merde. J'ai besoin de ça. On va essayer de mongoliser le jeu. Oh magnifique. Ok. Ah je suis balèze hein. Je pense pas qu'on pouvait passer comme ça mais bon. C'est pas legit mais moi c'est. Moi je suis un speedrunner alors bon. J'ai pas le temps. Hein. Alors. Escroc! Les solutions émergentes, bah ouais. Oh non, et putain, il y en a partout à l'horreur. Oh, please. Alors, merde. Alors, comment ça se passe? J'ai mal fait quelque chose. Attends, pourquoi ça s'ouvre pas? C'est. Il est pas resté là-dessus.
C'est parce que j'ai activé celui-là, ça n'allait plus. Ok, Scarvax, à tout de suite. Ah, faut que je joue le jaune. Attends, il y a jaune. Et après, il y a... Oh là là. Attends, jaune. C'est un truc comme j'avais pensé dès le début, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ok, je l'ai, je crois. Ok. Alors... What? C'est quoi? Tu viens de casser le chat aussi, Bob. Qu'est-ce que... Couleur du jeu, c'est bizarre. Alors là, faut pas que je fasse de bêtises. Ah, j'ai trouvé. Oh, mais je suis un génie. Je me sens un peu... J'ai le cul qui pique là. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi elle est pas restée collée? Bah merde! J'ai pas le choix, je peux rien... Ou alors faut l'activer au moment où... Alors là ça devient chaud. Oh mon dieu, si c'est un truc dans le genre. Faut l'activer à tel moment. En remplaçant petit à petit le bleu par du vert. D'accord. Attendez, hein, je réfléchis pour activer ce cet interrupteur là, c'est ouf. Oh, fallait que je sorte bien bien de ça, il serait revenu tout droit et je sais pas. Là, je suis clairement bloqué, hein.
merde. Faut refaire la salle. Pourquoi ça s'ouvre pas? Okay. My bad. Mon clavier. Je suis bloqué. Je deviens fou! Non mais c'est pas possible. Les deux colonnes en vert, tu penses que ça marche? Ah, et ça pousserait la boule. Et du coup, je peux plus les mettre en vert, c'est ça qui est dommage. Remember, if you want helpful worker droids to aid you with the completion of this chamber, these are not the worker droids you're looking for.
Oh non. T'as un pourquoi? Je peux pas bloquer la boule, une boule ici. C'est juste pas possible. Attends. Attends, attends. Purée, que c'était compliqué! Ah, je cherchais des trucs dans ma tête, je trouvais pas. Ok. Ok. Pouh, eh ben. J'ai rien pigé. Mais en fait, les deux boules. les deux boules collées entre elles, bah. Ça touche l'interrupteur quand même. C'est pas facile, mais. Bon, là, c'est quoi ce bordel? J'imagine qu'il faut faire ça, alors. Ok. Et bah qui était compliqué cet étage là. Mais genre vraiment. Alors. Ah là c'est un truc de couleur. Non, attends. Le mec il raconte n'importe. Mais oui, je pense qu'il va falloir. Ah oui, celle-là. Oui. Oui, j'ai compris. Oh, magnifique. Ah merde. Pousse.
boss final. Ah, tu joues à Crypt of the Necro, hein, Namoker. J'ai jamais été jusqu'au boss final. Hein. Faudrait que je le fasse, d'ailleurs. Alors, c'est pas la jaune à la fin. Mais non, c'est pas logique. Ah oui, bonne idée. Enfin, ça crée un problème quand même. Bien vu. Ah mais non. Attends. Ah mais je peux pas effacer les couleurs. C'est ça qui est embêtant. Non, j'ai fait exactement la même que la première fois, Kirseis. Ou alors, attends. Attends, réfléchis. Pourquoi ça marche pas? Salut! Allez! Tu peux changer les couleurs des boules. Je crois pas, attends. Ah, je peux changer la couleur des boules! Bien joué, Puppet. Puppet est un génie, hein. Heureusement qu'on l'a avec nous. On peut changer la couleur des boules.
Quel génie Puppet. GG mec. Je pensais pas que ça ouvrirait. Du coup, il fallait peut-être que j'y aille dès le début. Parce que là, j'ai rien à pouvoir faire. Hein. Ok, on va essayer. Alors. Je peux rien faire au plafond, mec. Mais merci quand même. Ça aurait pu. Je sais même pas s'il faut le faire comme ça. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Je suis persuadé qu'il y a un moyen de... Ah, faut trouver un moyen de le laisser ouvert, le truc. Oh non, c'est dégueulasse. Ah, attendez, j'ai trouvé, je crois. J'ai trouvé. C'est bidon, en fait. Une fois qu'on commence à comprendre... Tu as le speedrun, le jeu... Je sais pas, c'est pas trop mon... Enfin, j'aime bien, hein. Mais après, à speedrunner... clairement, c'est autre chose, hein. C'est qu'un jeu de réflexion pour moi. Tu le fais une fois et puis t'as fait le tour du jeu. Réfléchir à des méthodes pour le faire de plus en plus rapidement, je suis pas sûr que ce soit mon truc. Mais le jeu est clairement sympa. Hein. Ça, par contre, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Je m'amuse bien. Alors c'est quoi ce labyrinthe là? Alors, faut absolument pas que j'en pète une. Il y a trois interrupteurs. Ça, je peux pas changer la couleur d'une boule, mais des deux autres. Du coup, il va falloir jouer avec les couleurs. Il y en a une que je peux placer là au centre. Ça va être celle-là, je pense. Avec n'importe quelle couleur, du coup. Et... Tac, tac. Non, tac.
Et ça, ouais, si, ça devrait pouvoir le faire. Ah merde! Ah non! Ok. On va faire doucement. Désolé. Non, je pense pas. Attends, je pense que j'ai bon. Faut juste que j'arrive à faire mon truc, hein. Mais je pense que j'ai trouvé. Voilà. J'avais bien trouvé du premier coup. Ah, merde. Ah, je faisais le malin d'avoir trouvé. Le jeu, il me dit, attends, tu vas voir. Ça va, t'as pas rigolé. Voilà, là, il y en a 3 toujours. Et j'ai combien de boules? J'ai 4 boules. Du coup, je peux... Ah non, il y a 4 interrupteurs. Ok, donc je peux pas me passer d'une boule. Alors là, par contre, ça va pas être la même, hein. Tac, tac, j'en ai une. Pas du tout ça que je voulais faire déjà pour commencer. Non mais là il y a un bleu. Putain, il y a déjà des couleurs au sol aussi. Ça c'est le truc qui va te faire, qui va me faire baiser les options. J'en suis sûr que là il va être attiré. Non, ça va. Ah, il y a les boules aussi. Si je les taquine, celles-là elles peuvent être attirées. Ça peut être une bonne option. Alors. Ok, celle-là, j'ai pas le choix. Ici, bichette. Ah merde. Il faut que j'ai la. Ah, j'aurais dû. Mais oui, mais je suis con. J'ai les traces au sol. In light of your recent blunders, and they are many. Attends, ça c'est ma faute. To inform you that kung fu has been proven to be futile against worker droids. Ça là, y a pas le choix, elle est obligée d'être là. Tac tac. Tac tac tac. Ok. Faut que je fasse gaffe.
Ok. Chapitre 6 fini. On attaque le 7. Je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Clairement le bordel là par contre. Qu'est-ce qui a été ouvert là? Parce que je les pousse là-haut. Il y a une deuxième boucle que dans Super Gusenga, j'espère pas. Ouais, en fait, j'ai activé les trois, enfin, je suis même pas sûr. Mais en plus, ça sert à rien. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas besoin. On peut changer la couleur des boules. D'accord. J'ai peut-être été trop vite. Bon, c'est le même jeu, mais seulement en noir et blanc. Ah putain, vous faites craquer, les mecs. Je suis pas sûr si je suis foutu ou pas. Ah, peut-être pas. Peut-être que... Mais ça fait quoi, ça? Les deux, là. Ça ouvre juste la porte, là. Du coup, je suis obligé de rentrer la boule, en fait. Et celle-là, elle fait quoi? Elle ouvre juste la porte toute là-haut. Du coup, celle-là, déjà, je peux faire. Bim. Et bim, on s'en branle. Ou pas. Si. Si qu'on s'en va. Ok, d'accord. Celle-là, j'en ai besoin. J'en ai besoin, on est d'accord. Comment je peux la tirer? Oh, on a jambonné le jeu. Oh là là. Coucou l'éolien. Elle va m'attaquer.
Non, ça. Ok. C'est que je vais mettre ça. Ok. Bon, celle-là, ça va. Pas trop galérer. Ah, par contre, quelque chose me dit qu'on va moins rigoler. Ça, je peux pas. Alors, je peux changer la couleur des deux du milieu. La bleue, je suis obligé de la ramener là, j'ai pas le choix. Donc, celle du fond, on doit la ramener. Bon courage. Je sais pas comment. Mais pas comme ça! Ok, bon, dans l'idée, je tiens le truc, je pense. Ah, mais du coup, ce serait bien de préparer avant. C'est une idée, hein. Après, tu fais comme tu veux, mais. Mais comment j'éclate la dernière? Est-ce qu'elle se fait attirer quand même? Merde. What? Arrête, je t'ai pas touché. Noting that an exit will never be placed inside or underneath deadly maintenance tiles. Oh là là, oh le génie, Bim. Ok. Rien ne m'arrêtera. Ah, qu'une boule.
Attendez, attendez. Merde. C'est quoi l'astuce? Faut que je ramène cette boule là-haut. Mais comment? Je peux la changer de couleur, ceci dit. Il faut que je fasse tout à l'intérieur. Et ici, je sais pas à quoi elle sert cette porte. Elle doit bien servir, mais là par contre, j'ai pas d'idée. Ah, je viens d'avoir une idée. Alors attends, parce que là je fais n'importe quoi, on est d'accord. Ok, on va essayer. Me tue pas. Oh non, tu peux pas me faire ça par contre. C'est dégueulasse. Ok. Purée. Compliqué quand même là. Je sais même pas si c'est la façon legit de le faire. Hein. Oh merde. Oh merde. Je comprends pas la subtilité là. Ils me font chier ces trucs là. Mais genre vraiment. D'accord, ok, je viens de comprendre. Remember, if you want helpful worker droids to aid you with the completion of this chamber, these are not the worker droids you're looking for. Bon. C'est pas bien ça.
Mais ouais, filez dans vos chambres, ça suffit. Ouais, c'est cool, mais... Ça, ça m'ouvre quoi? Ça m'ouvre la porte, là. Donc, je dois déjà sortir la boule, là. Pour l'emmener, Ah, non. Ouais, moi, pas tout comprendre. Attendez, ça... Ça, ça m'ouvre, là. Ok. Là, on a deux interrupteurs. Ça s'ouvre pas, ça? Non. Non, non, ça ne s'ouvre pas. Ah, là, faut fermer la porte. Du coup, faut enlever la boule. Ça m'ouvre la porte là. Ok, c'est bon. Comment passer cette boule là ici sans qu'elle crève? Problème, ça va être ici. Ici, elle va crever, c'est obligé. Là, je peux l'emmener, je peux l'emmener jusque là. Bah, je peux plus l'emmener jusque là, mais... On va essayer, mais j'ai un doute. Hein. Ah, je suis dégoûté. Pff. Forcément que ça passait pas, c'est logique. Oh mon dieu, j'ai tout ça à refaire. Bande de salauds. Fallait la faire te suivre la boule. Ah, je peux l'activer? Non, je peux pas l'activer celle-là. Ou alors... Non, bah de toute façon, elle me suivrait pas. Hein.
Écoute, je sais pas vraiment. Peut-être. T'as peut-être raison. Ça devient vraiment complexe pour moi, là. J'arrive à la limite de ce que j'arrive. De mon cerveau, là. Ouais, non, mais t'as raison de demander. Parce que je cherche des idées. Peut-être, peut-être. Peut-être. On va essayer. Peut-être qu'elle me suivrait, j'avoue. Du coup. Faire. Mais de toute façon, elle me suit pas, cette boule. Elle me suit pas. Merde. Je la déplace le long du mur. Est-ce que tu peux tirer sur le mur de gauche pour monter la boule quand elle sera dans la salle en question? Ah, c'est ça, je crois. Non? Ah, maintenant, je peux pas. On va vérifier. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bien joué, Kirseis. J'ai tout recommencé, quoi. Bien vu. Vous êtes génie.
Bien joué. Je pense que j'aurais cherché longtemps comme un débile. J'avais vraiment pas pensé à ça, quoi, pour le coup. Ouais. Là, c'est la fin. Où que ça a l'air grand? Bah, plus de les enfants. Oh mon dieu! Vous avez quoi comme couleur? Vert? Et toi? Vert. Revenez ici. Merci Alice Day pour le follow, mais tu me follow tous les jours? N'est-ce pas un petit peu bizarre? Je commence à comprendre le truc. Non, c'est là-haut. Ok. Et bim. Oh là là, chapitre 7 terminé. Et il y en a un huitième alors, on dirait. Dernier chapitre. Attention, on est chaud. Je ne comprends pas tout. Mais merde. Je vais redescendre. C'est trop compliqué. Avant le twist. Bah je sais pas. Je sais pas qui Kirseis. Après, j'ai l'impression qu'on a un peu... Ah, attendez, hein, je réfléchis en même temps. Je peux rien faire d'autre, de toute façon. J'ai l'impression qu'on a bientôt exploré toutes les possibilités de jeu en couleur aussi, donc... Il y a des valves. J'avoue, il y a des valves. Qu'est-ce que ça fait? Mais non, mais c'est bien beau, mais...
C'est ce que je me disais aussi, je vais essayer de faire ça peut-être. Parce que je trouve pas sinon. Je crois avoir compris. Voilà, ça devient chaud du bulbe quand même. Alors, bim bim. C'est horrible. Je comprends rien. Ouais, dès qu'elle va bouger, la porte va se fermer. C'est ce que je me disais. Parce que je me suis dit, oui, c'est peut-être ça. Mais si elle bouge, la porte se ferme et c'est mort. Bon, là, on est d'accord, mais... Oh, si... Ah, purée, si c'est ça. C'est encore plus sale que ce que je pensais. T'as un truc comme ça, mais j'ai fait n'importe quoi. Oh non, au cœur.
Comment la faire revenir, quoi? Elle est trop loin. Comment ça? Quelle porte? Tu la fais revenir avec toi qui active le premier interrupteur. Ah, fait chier, j'y arrive plus. Il y a plus moyen de la tirer, quoi. C'est mort quoi. Ça y est, on va être bloqué. Tu dois la faire glisser le long du mur pour activer l'interrupteur jaune. Elle doit pas sortir de la salle, mais je peux rien faire. Je suis mais le problème c'est que je suis obligé de rentrer dans la salle pour au moins mettre ça. Sinon je peux pas le mettre. Ou alors il ouvre quelle porte? Il ouvre celle-là, là, celle-là, celle que je vise. Il
Parce que là je peux pas passer, je peux rien passer. Je suis obligé de rentrer dans la salle, non? Mais après je suis obligé de la faire rentrer. Mais elle veut plus. C'est trop loin. Ah, là aussi. Je peux pas la pousser. Allez, oust. Vous me dites, hein, si j'ai mal compris vos conseils, n'hésitez pas. Parce qu'il est possible que voilà, mais c'est ouf. Le plus à droite possible dans la pièce initiale pour la tirer à gauche à travers la vitre et ouvrir la porte centrale. Ou alors, voilà. Ou alors, faut pousser la boule le plus à droite possible dans la pièce initiale. Forcément attiré. Alors, de là où tu es vers la droite, strictement latéralement. Alors, tu peux... Ah! Je vois peut-être ce que tu veux dire. Le truc, c'est ça, quoi. Parce qu'en fait, je pourrais faire en vrai ça, bim. Faudrait qu'elle dépasse l'interrupteur. Ou alors on se gourre totalement, il y a autre chose. Ou alors on se gourre et il y a autre chose. Regardons bien encore, qu'est-ce qu'on a dans cette salle? On a trois trucs pour laver. What?
Oh, white. Ça renvoie les... Mais comment t'es censé le savoir, ça? Ok, j'ai compris. En fait, c'est les genres de trucs, là, ça renvoie. Faut se mettre au bon angle. Pour repeindre le mur derrière, en fait. Voilà. Putain. Mais il t'explique pas comment tu comment t'es censé le savoir. Ensuite. Bon, on est d'accord, maintenant je suis obligé de faire revenir la boule. Mais comment? T'es un génie, joli. Merci. Bon, ça change. Oh, peut zoomer. Ok. Bon, ça change rien que là quand même. Attends, comment on fait alors? On a une nouvelle, un nouveau truc. Là, il faudrait changer la couleur pour qu'elle suive. Parce que si je laisse rouge, ça va pas aller. Le mur, hein, bien évidemment. Ah bah voilà. Je l'ai peint sans faire exprès. Waouh. Et puis, on est au début du chapitre là. Hein. Alors, pourquoi il y a des chiffres? Pourquoi? Bourrine en violet derrière toi, mets du rouge sur les murs. Merci Kirsey, ça d'essayer de m'aider. Parce que j'aurais pu très bien être bloqué. J'ai vraiment essayé comme ça. Bon, alors là. Est-ce que ça serait juste un calcul? Ok. Bon,
Why? Mais pourquoi ils font genre c'est... Bon. Ok, on va pas... Ok, on a réussi. C'est très bizarre cette fin du jeu là. Bon, qu'avons-nous ensuite? Ouh là là, ça commence à me faire mal à la tête, cette histoire. Ça le laisse rouge. J'étais tellement sûr quoi. Non mais... On me la fait pas moi, allez. Ok, donc ça c'était un piège, magnifique. Magnifique piège, hein. Qu'est-ce qu'on rigole bien. Ok. Remember. If you want helpful worker droids to aid you with the completion of this chamber, these aren't the worker droids you're looking for. Ok, donc pas ouvrir. Il y a vraiment des fois des trucs bizarres.
Ok. Ok. Bon, que... ça commence à faire... comment c'est dur. Forcément quelque chose comme ça. Allez. Les boules jaunes sont exploitées. Faut que j'attende qu'elle rouvre la salle. Des boules jaunes. Voilà. Du coup, il y a 5 trucs à faire comme ça. Ah non, les boules jaunes, on active une. Ok, donc en fait c'est une salle à 4 énigmes. 8. Ok, d'accord. Alors. Jamais de la verte. Faut jamais de la verte, sinon ça marchera pas. Ou pas. Et là, je viens de fail. Si ça devrait marcher quand même comme ça. Ok. Coucou Krylon, comment vas-tu?
C'est Chromagun, c'est un jeu de réflexion à la Portal. Ok. Sensational. Voilà, la dernière chance. If you'd like to further devote your time and skills to Chromatech, we do offer supplementary unguided testing tracks unattached to this facility. We strongly encourage. Ok, on arrive à la fin. Juste deux secondes. J'attire des boules avec des couleurs. Très bien résumé, Pepette. Bon. Attends, Cryon, pour l'instant, je suis plutôt doué, hein. I've just been informed that there's been a change in plans and, well, they're incinerating this facility now. So you have about a minute to solve this chamber before your, you know, good luck! You made it. Okay, yeah. Just let me, I'm killed by neurotoxin. No, turned into radioactive goo. No. Here we are. Sensational. You have reached the end of the test and sustained no serious, well, almost no serious health implications from neither prolonged exposure to the chromagun nor the almost incineration of yourself. Fantastic! Thank you for helping Chromatech build a brighter and more colorful tomorrow. Ouais, j'ai eu mes... Oui! Ah, j'ai eu mes confettis. Ah, c'était pas des mensonges. Ah bah bien sympa, je pense que c'est fini. On revient au début, ah. Very, very well done. Now let's talk about your future here at Chromatech. We have a project I think maybe just your thing. Ok.
Bon bah voilà, c'était un petit jeu sympa quand même. À faire une fois, hein, je pense. Hein. Je me vois pas speedrunner, même si on va essayer l'outil quand même. Juste pour voir à quoi il ressemble. Ah, je l'ai eu gratuitement, Cryon. Je peux pas dire remboursé. J'ai pas le droit. Ah, t'imagines? Je demande le remboursement. Ah, mais j'aurais pu faire ça, en fait. Mais ça, c'est salaud. Mais je suis sûr, il y en a, ils l'utilisent. Genre, tu rentres la clé? Ouais, non, quoique, si tu rentres une clé, tu peux pas demander le remboursement. J'en ai aucune idée. C'est ça, la fin de Portal, mais en moins bien. Bon, on voit clairement qu'il y a de l'inspiration. Bon, attendez, on va quand même voir s'il y a un truc. Attends, oula. Voilà. Rembourser ma clé offerte. C'est quoi? C'est ce qu'on a... Je suis pas sûr de vouloir y aller. Ah, ça c'est le logo de la... ça c'est le logo du... Bah, de la boîte de prod. What the fuck, quoi? Ils ont tellement craqué, les mecs. Et il te manque un fut, mec. The Big Boss, ils l'ont mis en slip. Allez, vas-y. Bon bah voilà. C'était donc The Chromagun. Et ton bouti. Vas-y, va bouger ton boule. Donc voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et alors, en speedrun. Je regarde juste, hein. C'est pas très speedrun tout ça. What the fuck? Ouais, c'est une bonne idée pour les crédits, clairement. Ok. Putain, moi tu mets ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est que tu mets un chronomètre, je suis tout content. J'ai envie d'aller vite maintenant. Mais bon, sur un jeu comme ça, il n'y a pas vraiment énormément d'intérêt quand même, je trouve. Ah, je voulais voir. Du coup, le chronomètre, il se coupe pendant les chargements. Bien, bien. Mais bon, je vais pas refaire tout le jeu. Please pick up the semi-automatic nano-acrylic projectile firearm right in front of you.
This is the Chromagon patent pending that you heard so much about. Okay, we're kidding. Of course you're kidding. We here at Chromagon know how to keep secrets. And so should you. Now, vite, vite, je vais être le premier. To move it out of the way, then exit the room using the room exiting technique. Bon, bref. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu ?